Alors, statue sur sauteuse. Ça commence bien. Super. Alors, commence bien, Nono. Je sais plus comment les éclater, ceux-là. Thank you.
Alors. On se met bien. Il y avait rien dans l'eau en plus. Connerie. J'en étais sûr. Sonic, merci beaucoup pour ton subprime. Bienvenue à toi. Merci Sonic pour ton subprime. Merci pour ton soutien à la chaîne. Comment on va? Ça j'aime pas en plus, putain. Allez, pouf, sur le fil. Un bon choix de jeu. Ouais, ça fait un moment que je suis dessus. Ça fait un moment, hein. On est au 6e épisode, on le fait à 100%. Donc... En tout cas, merci pour ton subprime. Hein. Ça fait plaisir. T'es sérieux toi? Toujours en télétravail à partir de cette semaine. On veut que je retourne au bureau 2 jours par semaine. J'imagine que ça va rassurer. Ah, je sais pas, ouais. Ah, c'est compliqué, hein. En ce moment, le travail même pour moi... C'est pas génial, quoi. Espérant que ça reviendra beaucoup mieux. Ça s'arrangera. Y'a que ça à espérer. Y'a que ça à espérer, hein. Je suis à quoi là? Ah oui, c'est vrai. Les statues. Ça c'est une blague par contre là. Ah, je savais bien. Ok. Vas-y. Parfait. Hop. Ah, là, j'ai vu venir. Ouais, t'es sûr.
Non! Non! Là, il n'y avait rien en plus, quoi. Ah. Ok. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah là 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 là. Une blague? C'est une blague. Ouais. Ouh là 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 là. Ah oui. Je l'ai vu venir. Pas grave. On est bien. Putain, il était loin. Il était loin, le tchèque. Incroyable. Il est loin, le checkpoint, là, quand même. Non, oh j'ai eu chaud au cul. T'avais pas quelque chose là? Quatre pièces de puzzle de lettres qui manquent. Ah. Aïe. J'aurais pensé qu'il y aurait eu un cœur là quand même. Ah, c'est pas quelque chose dans l'eau. Comme d'hab, aussi un petit cœur. Toujours plaisir. Aïe aïe aïe. Il y avait quelque chose là-haut, je l'ai vu. Ça. Voilà. C'est la sortie secrète en plus. Je crois. Voilà, ce sera déjà ça de moins à prendre.
Il faut Cranky pour y aller. Ouais, Cranky ou Dixie. Même sans ça. Hein. T'inquiète, t'inquiète, Sonic. T'inquiète. On arrive toujours à tout. Je l'ai fait à l'époque à 100%. Ça fait 5-6 ans. Et ça va. Il nous manque 3 pièces de puzzle, c'est bien. T'inquiète. Merde, j'ai enlevé. Tu sais, j'aime bien faire les choses par moi-même, moi. Même si je me rappelle pas et tout, tu vois. Même si j'ai déjà fait le jeu, tu comprends? Je suis comme ça, moi. Tu comprends. Ah, je voulais pas. Comme ça. Après si je demande un coup de main, c'est voilà, c'est pas de souci, tu vois. À partir du moment où je demande pas, c'est vrai que c'est tout baigne, quoi. Je demande jamais en vrai. Jamais. C'est ça. C'est exactement ça. T'as tout compris. T'as tout compris. Ni plus ni moins. C'est exactement ça. Même si j'ai déjà fait le jeu, tu vois, on peut pas se rappeler de tout, donc. Forcément. Bon, vu que tu me l'as dit, du coup, je vais suivre ton conseil. Et c'est logique, puisque et qu'avec lui, tu peux sauter sur les trucs, là. Il en manque 3. Ok, j'en étais sûr qu'il fallait tout attraper ici. Je le savais, hein. Merde. Par contre, j'ai fait le naze. Allez. Oh. Pop, 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 pop. Voilà. Ah, je le savais. C'était logique. Hop, il nous en manque une. Aïe! Oh là là, doucement. Doucement, j'ai dit. Là, je me vois, je suis baisé là. Je suis baisé. Merde, j'ai pas été dans l'eau. Quel con. Bah, autant mourir. Je pourrais plus mourir. Bon, tant pis.
Bien. On va recommencer. Nous en manque une. Nous en manque une seule. Oh! Ça avance bien. Pas que je le perde. J'ai géré tout le niveau pour pas le perdre. Alors gère la fougère, avoir un petit cœur, hein. C'est bien étudié comme. Touché aussi. Par contre, il me manque une pièce de puzzle là. Encore. Il nous en manque une quand même.
Alors, je sais où elle est, j'aurais peut-être pas eu besoin de l'oiseau, c'est à la fin qu'elle est en plus. Parce que j'ai pas été dans l'eau à la fin. Wow. Ici, pas été ici. Elle était juste là, quoi. What? Voilà, terminé, 100%, c'est bon. Par contre, il y a un autre niveau, il y a une sortie secrète que je n'ai pas été là. Pour rejoindre. On va voir. C'est ici exactement. Voilà, on est bien, donc il nous reste Dédale Abyssal. Le monde secret et le boss. Je sais qu'il y a une sortie secrète là, ici. On a tout eu, donc on se casse pas la tête. Ça va recommencer. Yeah.
doucement. Elle serait où cette sortie secrète? Moi j'ai déjà été, pas de problème. Mais qu'est-ce que je fais, nom de Dieu? Nom de Dieu! Alors, réfléchissons. Je dis bien réfléchissons, hein, mais bon. Y a rien à réfléchir du tout. Pas de sortie secrète là, c'est bizarre hein, quand même. Peut-être qu'en faisant l'autre, ça va rejoindre juste. Un coup dans l'eau, c'est pas grave. On peut pas se rappeler de tout. Ah, ça va être ça, je crois. Sinon, on y retournera, on verra. Dédale abyssal. C'est parti. Ça, c'est le niveau labyrinthique. Je me rappelle très bien. On va commencer par le commencement. Je suis mort. Ce sera avec Dixie, il faudra aller là. Thank you.
Il me fait lui. On peut aller là, mais on peut aller en haut aussi. Faudrait bien se rappeler, c'est tout. J'ai presque plus d'air. Là, il y en a. Merde, qu'est-ce que je fous? Je peux voir d'air. D'air. Oh. Tu vas me donner de l'air ou quoi? Ok, c'est l'autre. J'ai plus d'air. J'oublie souvent. Bon, ça va. Tui. Je croyais que j'allais me faire avoir. Et toutes les lettres en plus. Deux sur cinq. Par contre, on a toutes les lettres. Ça, c'est cool.
Ah voilà, c'est ça qui rejoint, d'accord. Et le niveau secret. Donc on a tous les niveaux dans les pattes, ça marche. Toutes les pièces de puzzle maintenant. Zozio. Ah, j'oublie, hein. Merde, j'ai pris Didi. Ah, ce vaisseau intuable, c'est vrai. Il manque deux. Maintenant, on continue un petit peu en haut aussi. Voilà, pour aller ici. Quoi, il n'y a pas de l'air ici? C'est vrai? Ah, les salauds. Les alopios. Là, on va avoir de l'air, là. On peut aller là. Attends, on va aller voir, on va le tuer. Toucher, c'est une blague. Hop, vite. Allez. Échappe-le, Taras. Je vais me faire éclataxe. J'ai failli me faire éclataxe. Mais j'en suis revenu. Mais j'en suis revenu.
Donc, ok, nous en manque une. On a la clé, la jaune. Ok. Mais il n'en manque une. Même pas. J'ai plus d'air. C'est pas grave, c'est très bien. Ça m'arrange. Une pièce de puzzle, quoi. Oh. Salut Jet Grill, merci pour ton host. Comment on va? Malo malo. Malo malo. Ça va, écoute, impeccable. Hein. Comme d'hab. Hein. Ouais, tu m'as déjà dit, ouais. Si ça te plaît, c'est cool. Ah, comme je t'ai déjà dit d'ailleurs. Jaune. Il est assez long, surtout à 100%. Là, on va arriver à la fin de la quatrième map. Il y en a 6 réellement, mais il y en a une septième quand tu fais le jeu à 100%. Intéressant. C'est ça l'intérêt, en fait, de le faire à 100%. Tu découvres des choses que tu ne verras jamais. Comment? Ah, dégueu. C'est là, je crois. J'ai failli mûrir. Ah, oh, merde. Merde. Ce qui est chiant, c'est que par contre, quand tu te fais tuer dans ce niveau, t'es obligé de recommencer tout le système des clés, quoi. C'est juste ça qui est un peu chiant, mais...
Pas grave, hein. Juste ça, quoi. On va essayer de gérer. Il nous manque une pièce de puzzle. Seulement une. Ça, c'est pour le jaune, je le sais en plus. Attention Nono, attention à l'air. Je vais perdre un cœur. Ok, j'ai eu de la chatte là en vrai. Voilà en bas. Ah c'est pas là ce temps-là. Merde, je suis retourné au même endroit, je crois, non? En même temps, hein, je fouille, il manque une pièce de puzzle, je vois pas où elle est là. C'est un peu complexe. Bon, on va la trouver. Comme d'hab. Voilà trouvé. Eh mais je refais la même, c'est pas possible. Ah, je peux pas remonter en plus. C'est une blague. C'est comme ça, t'es obligé de refaire tout le tour. Bon, ici, il faut que je regarde bien, par contre. Non, là, on a eu. Là, c'est sûr, on l'a eu. Ah, je vois pas où c'est que j'ai pas été, quoi. Où c'est que je n'ai pas été... On prend ça, hop. Là c'est sûr, hein, pas de problème. Alors la dernière pièce de puzzle, ça m'embête un peu. Ah, Zalo.
À trouver, hein. On va tout trouver. Oh, tu sérieux, merde. Hein? Oh, faut pas que je me fasse tuer là. Putain de poisson lune. Les putains de poisson lune. Eh, vite, 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 vite. Oh! Je croyais que j'allais mourir. Attends. Parce que là, on est à la fin, là. Bah merde, alors. Où elle est? En vrai. Bah merde, alors. Étonnant, étonnant. Faut que je la trouve. Y'a rien à faire. Bah, l'oiseau il m'a rien dit en plus, quoi. C'est. Quand même le reprendre au cas où, mais. Là, il m'a pas servi à grand chose, là. On va refaire tous les chemins. Tant pis, attends, y a pas un passage où on pouvait monter ou descendre. Allez, directement en hauteur. Ah, peut-être j'ai une idée. On va essayer après. Là, on l'a eu peut-être là. On va retourner en haut, on va tout fouiller. Hein. Alors là, je vous dis qu'on va la trouver. Hein. C'est moi qui vous le dis. Là, attends, non. J'avais pas pris d'air. Ah là là, je n'ai pas pris d'air. Voilà, on va en avoir ici. Je ne vois pas où elle est, la dernière pièce. Ça me gavrait. On va essayer de... Essayer quelque chose, de tout lever. Je crois très peu. Hein. J'y crois très peu. Là, c'est des mines. Voilà, des petites mines, des familles. Et c'est là, là. Là oui, hein, là. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'était quand même étonnant.
J'en ai touché aucun. Là, l'oiseau, il nous le dirait, hein, s'il y avait quelque chose ici, mais bon. Ok. Hey! Puis le tasse. Alors, on a fait tout le haut, maintenant on va par là, on va voir. J'y vais pas maintenant. On n'a pas trouvé la pièce, alors non. Il y en a marre. Ok. Merde, j'ai pas pris d'air. Bon, on est bien là, on a tout ce qu'il faut. Ce qui ne veut pas dire que c'est gagné. Alors, elle est où? La pièce de puzzle. Je peux aller là. Je peux pas. Alors, on va y rester le temps qu'il faut. On est tout bien là. On est blindé. Je vais réessayer en haut. Enfin, en haut, je me comprends. J'essaie de prendre toutes les bananes. Saloperie. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça va me gaver, ça. Ah. Peut-être au début, des fois. Hein. Non, j'avais été. J'avais été. De toute façon, il nous le dirait. T'as pas fait là. Je me rappelle, j'avais galéré à la trouver à l'époque aussi, dans ce niveau-là. Mais bon. Je crois que j'ai une petite idée encore une fois. Mais... Hop, hop, hop. Ok. Ce que j'ai essayé de faire là, c'est d'aller à contre-courant avec Dixie. Il n'y a qu'avec Dixie que tu peux faire ça. Donc là, on a été en haut, on est d'accord. On va réessayer de prendre toutes les bananes. Il nous le dirait, donc c'est quand même... assez étrange. Si c'est ça. Je me lisais bien aussi, hein, c'était pas possible. Hop là, attention, par contre... non, on peut pas aller, on peut pas. D'accord. Faites attention, il n'y a pas d'air aussi. Hein. Pourquoi il... Non, que dalle, hein.
en hauteur éventuellement, non. Ah, on l'a vu, c'est bien ce qu'il me semblait. On a vu. Ah, et nous revoilà au point de départ. Bah merde alors. Ah, c'est trois plombes ici que. De l'air. Ah mais non, on l'a déjà eu, putain. Ça sert à rien. Franchement là. Forcément. À genoux. Ouais, j'ai voulu résister contre le courant, mais. Bon, on y reviendra. Il nous manque une pièce de puzzle ici. On y reviendra. On va pas passer notre journée non plus. On y reviendra, ça c'est sûr. Mais je crois que j'ai une idée. On va quand même réessayer un truc, tu sais. Comment essayer un truc. On va essayer un truc. J'ai une demi-idée, on va dire, une demi-idée. Je crois que c'est ça en plus.
je n'ai pas d'autre choix. Si c'est pas ça, je ne vois pas. Mais l'idée, je l'ai. Je crois que c'est ça. Dans mes souvenirs, c'est ça. Ah, je suis borné. Clairement. Un petit coup de magasin. Mais pour valider la pièce, il faudra finir le niveau. Quoi qu'il arrive, pas un problème. Alors on peut prendre Dixie, on peut prendre Didi, on va commencer par Dixie. Alors si c'est ça. Et on va acheter. On va acheter du Didi aussi. On va racheter les petits Ozio. Là, on va acheter du cœur. Une fois qu'on y est, l'invincibilité. Et voilà. On est bien. Donc on va voir si mon idée s'avère bien. Je pense que oui. Il n'y a pas d'autre choix de toute façon. Je n'ai pas d'autre choix. Ah mais cette map elle est trop chaude en vrai. Voilà, donc déjà c'est muerte. Didi, je crois pas, ça m'étonnerait. Est-ce que je la conserve? Putain, je la conserve même pas. C'est une blague. Mais je l'ai mal fait, hein. Ah bah si, je la conserve, putain. Mais non, comment c'est possible? Attends. Je vais vérifier quelque chose. La tête et ça va être tout con encore une fois, peut-être. C'est pas ça. Avec Didi, c'est même pas la peine. On a été partout avec Squax là, putain, c'est derrière. Quand même. Oh merde. Non, 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 non. Je veux juste voir s'il réagit à côté. Oh, Ginge. Hein? Déjà d'une. Juste voir un truc. Bien sûr qu'il réagit. Bien sûr qu'il réagit. On l'a bien vu s'exciter, évidemment. Ok. Alors peut-être l'astuce ce serait de sauter sur un petit machin là. Je ne sais plus.
C'est bon, il a réagi, hein, c'est là. C'est clairement là, il n'y a pas de... Y a aucun mystère. Ça pour une pièce de puzzle, quoi. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, les amis, hein. T'as vu un peu? C'était ça, ok, d'accord, c'est bon. Allez, salaud! Ah, mais je m'en rappelais absolument plus de ça. Faut aller jusqu'à la grappe et faire un double saut, voilà. Non, bon. On va la voir. C'est chiant quand même. Hein. Peut-être même aller encore beaucoup plus loin. On va voir. Plus loin que la grappe. On va tenter. C'est tout un truc, hein, c'est une connerie, hein. Franchement, c'est une connerie. Franchement, c'est une connerie. Voilà. Quand je dis on va la voir, c'est qu'on va la voir. Voilà. Et est-ce que si on sort, elle est conservée? Est-ce que je suis obligé de refaire le niveau? Bah oui, je suis obligé de refaire le niveau. Merde. Ah là là, la perte de temps. Un truc de ouf. Perte de temps. Bah oui, c'est vrai qu'il faut finir le niveau pour valider. Bon. Tard que je vais plus réussir. Conneries. Des conneries, quoi. Putain, je l'avais, je suis deg. T'es un peu merdique, hein, quand même. C'est un petit pneu merdique. Hein. Mais bon, après, on passe à autre chose, quoi. Là, hein. Allez, on finit le niveau. Et on valide. Super vicieuse quand même. Hein. C'est vicieux, c'est vicieux. Thank you.
fais trois fois le tour dans l'eau, quoi. Deg. J'ai pas touché, culé. Enculé. Terminé, on n'en parle plus de ce niveau. J'ai pas eu la bulle. Pile poil. Et bon, on n'en parle plus. Voilà. Plus d'une demi-heure pour ce niveau. Une demi-heure pour ce niveau, quoi. Mmh. Bon, c'est normal. Alors, il nous reste Meule Magmatique, donc le niveau, le temple caché et le boss. Pour en avoir fini avec les mondes marins. C'est pareil, ça va être du lourd. Hein. On reste dans le dur. Comment il m'a touché là? Tellement habitué à avoir Dixie aussi. Ça va, niveau des vies, hein, franchement, on ne sera pas emmerdé. J'ai pas sauté. Qu'est-ce que tu fous? Hâte de jouer comme un sac. Tranquille.
Non. Plus dedans. À force de faire des mondes marins, j'ai plus le skill sur Terre. Comment on le tue déjà? Ah ouais. Putain. Ah la daube. Ah putain. Bon allez. C'est une blague, hein. Ah, j'essaie d'avoir par derrière. Comment on le tue lui déjà? En fait, on peut pas, je crois. Je crois qu'on ne peut pas le tuer. Je crois. Faut la tirer. Je sais pas, je me rappelle plus comment tuer véritablement. J'ai pas eu. J'ai eu. Ah, je prends des risques inconsidérés. Ah, elle m'a touché. Bon, c'est pas grave. Je prends des risques inconsidérables. Aussi. C'est aussi ça le problème. Des fois trop confiant, des fois pas assez. Voilà où ça mène. Oh là là, t'es dangereux mon frère aussi. Chaud. Et là, fallait sauter dessus. Voilà, là, on est même pas au quart du niveau. Hein. Attention. C'est là qu'on va perdre des vies quand même. Faut quand même avoir la notion. Bon, y a pas un énorme skill aujourd'hui, hein. Pour ceux qui visionneront le replay. Ça va quand même, hein, mais bon. Peut mieux faire. En même temps, on rentre vraiment dans le dur, hein, aussi. Faut le savoir. Comment c'est possible? J'étais nickel chrome. Putain, on a perdu 10 vies déjà, quoi. Boum! Boum! 10 vies, les amis. Eh oui. C'est normal.
Tout va bien. Tout va bien. Hop. Bien sûr. Bah oui. Totale désynchronisation. Totale. Ah, j'aurais pu faire un truc de ouf. Dommage. J'étais dedans là, mais bon, pas assez. Ça va. Ça va faire. Putain, le dangereux de malade. J'étais sûr. Pipi. Et on a eu combien? 2 pièces de puzzle. Pas mal. Blague. Et après il y a le boss, hein, un des plus durs du jeu. Non mais cette map, je crois que c'est la pire du jeu. La map marine. Je crois bien que c'est la pire du jeu. Frère. C'est dégueulasse. Allez, tombe pas, tranquillement. Ça ne se voit pas quand même. Oh putain, je me suis fait piquer le cul. Il me suis fait piquer le cou. Incroyable. Hey, salut le train. Oh, ça va et toi? On a hâte de finir cette carte marine. Cette carte de l'eau, du monde de l'eau. Quand même. L'une des plus dures du jeu. Évidemment. Tu vas bien? Bon, bah c'est cool alors.
Écoute, c'est cool. Ah, c'est cette map là. Pa, 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 pa. Qu'est-ce que tu prends, putain? Nono? C'est un ouf. Ah, t'es un ouf. Là 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 là. Ah, bordel. Ah là là. Là, je vais trop vite. Pourquoi je m'entête à aller aussi vite? Oh non! C'est le live du fail. On aime ça. J'ai encore failli faire le fou. J'arrête de me précipiter un petit peu. Suis pas trop mal synchro là, ça va. Allez, on la chope, hein. Allez, te laisse pas déstabiliser, mon frère. Waouh! Oh, 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 j'ai géré là. Mais il nous en manque une, par contre. Il nous en manque une. Elle est là, hein, non? Il nous manque une pièce de puzzle. Ah, je suis archi deg. Merci pour GG. Là, ça mérite, là, vraiment, ça mérite un beau GG. Là. Ouais, là, oui. Ah, la vache. Mais bon, il nous manque une pièce de puzzle, donc il va falloir le refaire, quoi. C'est une galère. C'est une galère. On a bien galéré dans le labyrinthe d'avant déjà, dans le monde sous-marin. Pop, pop, pop. Mais faut le refaire. Alors on a tout à 100%, mais il nous manque une pièce de puzzle. Et le boss, bien sûr, évidemment. Évidemment. Qui est le plus dur du jeu. En fait, c'est la map la plus dure du jeu, le boss le plus dur du jeu. De toute façon, les mondes sous-marins, hein. C'est juste une dinguerie, quoi. Allez, on y retourne, hein.
On y retourne, tout de suite. Ah mais c'est vrai que tu peux pas le faire en coop, enfin tu peux pas le faire avec un pote ce niveau. Tu peux le faire que tout seul, c'est vrai. Ah si, hein? Ouais, c'est cool. Nice. Ça nous fera plus de points de vie, hein, clairement. Voilà, on l'a fini déjà tout seul, donc bon. Faut bien regarder ce qu'il fait, un squat. Ok, alors elle serait où? Ah, ah, elle est quelque part par là. Il nous le dit, le petit pote. Elle est là-haut. Voilà. On s'en fout, même si on meurt. Hein, frère, j'ai envie de dire. On va pas mourir. Je pense qu'on va pouvoir le faire one shot cette fois-ci. Ouais, one shot avec la dernière pièce de puzzle. Nice. Nice, 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 nice. Ah, ça fait plaisir. Ah putain. Cette map de l'enfer. En vrai. Voilà, tout 100%. Ok, bon, il nous reste le boss maintenant. Hein. Le plus dur du jeu. Ce sera pas de trop pour le boss. Ce sera pas de trop. Après, les niveaux, ils vont être encore plus chauds, mais je préfère parce que c'est sur Terre, quoi. Dans l'eau, j'ai du mal avec l'eau. Hein. J'ai du mal avec les mondes d'eau. Vraiment. Le bouffi des bas-fonds. Bonjour. Bonjour. C'est une pieuvre, non, je sais plus ce que c'est. Ah oui, il est horrible, il est horrible, il est horrible. Il est horrible. Puis c'est Lost qui m'en parlait la dernière fois, Lost Broncos qui m'en parlait. Il est horrible, tu vois. Pas si on va le faire one shot, hein, je suis pas très sûr. Faut l'avoir par derrière en fait, mais il fait le problème, c'est qu'il fait tomber plein de trucs. En fait. Et faut gérer avec l'air aussi. Hein. C'est pas mal. Bon, je m'en rappelle bien. J'ai pas touché.
Viens ici. Attention au pic. Hein. Meurs. Dégue. Ah là là, j'ai pas fait gaffe. Ah là là. Boum. On a récupéré un cœur en plus. Ça va. Ça, je me rappelais plus. Je me rappelais plus qu'on pouvait toucher que avec ses potes. Ça, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Ah, son cul, il était là, merde. Je sais pas touché. Pas grave. Ah là là, il me reste un cœur. Il y a un cœur. Mais encore une fois, je crois. Pas mal. Faut peut-être l'avoir one shot hein, si on fait pas le con. Yes! One shot! Le boss le plus dur du jeu, quoi. Ah la vache. Géré. Bon, on parle plus de cette map. Putain. Ah, je me suis concentré quand même pour le boss. Ça n'a pas été une mince affaire. Ah la vache. Ça n'a pas été une mince affaire. On check, hein, comme d'hab. Voilà. Quand tu penses qu'il faudrait faire tous les chronos pour faire le 200%, c'est pas intéressant, c'est pas bien, c'est pas cool. Déjà, finir le jeu, c'est chaud. Après, faire 100%, c'est un gros challenge. Alors 200%. On n'a pas le temps quoi. Quatrième diorama. Ah là là. Cette map de fou.
Attention, ça va être dur aussi là, hein. C'est des niveaux durs. Hein, mais... On reste dans le dur hein, quand même. On reste dans le chaud. Ça va, le boss, je suis content de l'avoir battu one shot parce que... Il est vraiment horrible. Un petit truc à boire. Voilà. Heureux pour ceux qui sont là. Et on va continuer. Et on va en chier. Oh. Là, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux aussi. Hein. Beaucoup de niveaux durs. Ils sont tous durs ici. Mais bon. Je préfère les niveaux quand même sur Terre, il n'y a pas photo. Écueil et cueillette. Énormément de pièges. Tu connais pas tes cuits. Hein. C'est muerto. Énormément de pièges. Ah, je préfère quelque chose. Mm-hmm.
J'avance tranquillement, hein. Obligé. Merde, j'en ai loupé. C'est bon. C'est bon. Il n'y aura que des pics maintenant. Donc ça, c'était pour une pièce de puzzle, par exemple. Oh putain, le temps, merde. Ah, on va en perdre des vies ici. Ah oui, on va en perdre. Et vous allez aimer voir ça. Bon, on va recommencer alors ici. Ah bah d'accord. Ah bah ouais. De toute façon, il vaut mieux être deux pour faire ça. Oh là 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 là. Mais viens là. Non. Ah, j'aurais pu faire un truc là. Oh merde. Putain. Donc déjà deux pièces de puzzle qu'on a loupées. Hein. On sait où elles sont. Hein. C'est... Voilà, c'est... Merde. Bon bah on va pouvoir recommencer comme ça. Là je vous dis qu'il faut en vouloir. Hein. Pour faire cette map à 100%, il faut en vouloir. Ah, on meurt. On meurt. Je veux. Il y a moyen, hein, il y a moyen. Il y a moyen tout seul, hein. C'est un peu plus compliqué, mais il y a moyen. Voilà. On va tous prendre sur la gueule. Ah putain, t'es sérieux, t'as... Mais non. C'est que le premier niveau. Hein. C'est une dinguerie aussi, cette map. Ouais, elle est terrible, avec ça. Allez, hop. J'allais dire on réessaye, on lâche rien, puis... Et puis je me suis fait enfler, quoi. Ah, c'est vrai que ça touche, ça, la bave de chenille, là, je sais pas trop ce que c'est, en vrai. Ah là là. Je meurs. Perli, 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 pipi, pipi, pim. Je suis déter. Oh non! Voilà, à une. Bon, on recommence. On s'en fout. Il y a des pièces comme ça qui sont vraiment chiantes. Bon.
faire un petit peu preuve de sang-froid. Ok. Là, c'est maintenant, c'est plus dans les niveaux qu'on perd des vies, c'est pour des pièces de puzzle. C'est pas pour les petits, quoi. Ok. Allez, crève. Véritablement, c'est mieux d'avoir un compagnon pour le faire, mais... J'aime bien le challenge. Je veux le faire. De toute façon, ça, c'est fait pour t'apprendre le niveau, parce qu'il y a énormément de trucs comme ça, quand même. Là. Faut pas s'énerver. Si t'énerves, t'as tout faux. Du sang-froid. Ok. Et tu peux pas aller prendre un compagnon. Enfin. Tu peux sortir du niveau et recommencer. Pour arriver avec un compagnon, mais bon. Mes couilles, quoi. C'est la bonne. C'est pas la bonne. Ah, le replay va être folklore. Il y a eu beaucoup de fails aujourd'hui. Beaucoup, 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 beaucoup de fails. Je vais essayer un truc quand même. Je vais essayer un petit truc quand même. Pour me simplifier la vie. Je crois pas que je vais pouvoir. Non, je pourrais pas sauter tout ça. Clairement pas. C'est même pas la peine d'y penser. J'ai eu de la chance de l'avoir, hein. C'était la dernière. C'était la dernière. Non, faut bien gérer, quoi. Dès que tu montes sur le machin, il n'y a pas photo, c'est tout de suite. Quoi ? Ok, la dernière. Oh putain! C'est une blague. J'ai pas eu la dernière, quoi. Je les ai toutes les plus dures. Et la dernière, non. C'est fou, quand même. Eh, hey, pourquoi il a pu... Il a bugué sa mère, le jeu. Enfin, le truc a bugué, pas le jeu, mais... Il voulait plus se déplacer, le machin de merde, là. Oh là là... On va perdre toutes nos vies là-dedans. Non. Ça va le faire fatalement. On a des vies, hein, autant s'en servir. Hein.
Ah, c'est une blague. Merde. Je suis bordé parce que bon, des pièges chantent comme ça, faut les faire tanker dessus. Voilà, c'est ça aussi, faire un 100%. Hein. Ah putain. Et après on en a une autre aussi. Hein. On en a une autre qui est chiante aussi après, tout de suite. Ah putain, c'est une mec. Ouais, ça va le faire. Hein. Ah du courage, j'en ai. Merci pour ton encouragement. Ah mais je lâcherai pas, je lâcherai. Hein. La dernière. Ah là là, je l'ai pas eu. Pas grave. Le machin il a bugué quoi. Vas-y, nique ta mère. Comme tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais. Bizarre. Hein. J'allais la prendre sur la gueule. C'est pas encore la dernière. Quoi? Il n'y avait pas de pièce de puzzle ici? Moi je suis sûr que si, moi attends, arrête. Attends, je les ai toutes eues là. Il veut bien en avoir une quand même, non? Elle est où? Quoi? J'ai perdu tout ce nombre de vies pour rien? C'est une blague. Il y avait rien, les gars. Foiré, va. Foiré de jeu. Ah putain. Je suis deg. Ah, je suis vraiment deg là quand même. Il n'y avait rien. Ah, cette blague. Ah, la vache. On l'a fait jusqu'au bout quand même, hein, comme quoi on a persisté. On est des persistants quoi. Ok. Ça c'est fait. Ah, je me suis entêté comme un dingue pour rien, il n'y avait pas de pièce de puzzle à ce que j'essayais de faire. J'aurais pensé, puisque c'était vraiment délicat. Enfin, j'ai mal pensé. Sûr. Ah oui, mon pote. Putain, c'est des rails. Ah merde, non. Ah non. C'est pas grave. On a la pièce de puzzle quand même qu'il fallait. Hein. Elle est là. Ah putain, Nono. Allez, vas-y, casse-toi maintenant. Hein.
Hein? Évidemment. Allez. Ok. Une pièce de puzzle là-haut là. Allez, viens. Je croyais que je l'avais pas vu peut-être. Une blague, hein. À mon avis, il doit falloir quelqu'un. Merde! Ah mais là les niveaux pour avoir le 100% c'est du lourd, hein. C'est très très lourd. 4 sur 7, il nous manque une lettre, ok. Ah! J'ai été trop vite. Ah non! Loupé! Merci de ton commentaire, Sonic. J'avais pas vu. Ah pétain. Bah ouais. J'ai vu. J'ai vu, t'inquiète. Mais bien joué pour l'observation. Mais je t'ai dit, faut pas dire. Je t'ai dit, je veux pas que tu me dises. Je t'ai dit deux fois déjà, quand même. Quand même. Ça fait beaucoup là. Eh oui, c'est pas grave. C'est pas grave, mais je le dis quand même. Ouais, mais bon. Il en manque, hein. Mais on a toutes les lettres. Je sais pas moi. Ah non, une seule seulement. C'est laquelle? Ah, la jungle juteuse. Ah, ça rigole pas là. Après, c'est périple périlleux. On y retourne. On y retourne. Où c'est que j'ai pu la louper? C'est certainement au début. Là, pourquoi il y a un tonneau, toi? Pourquoi? Ça sert à quoi? Mm-hmm.
on en perd des vies quand même là. Bien sûr. Alors. Ah! Allez quelque part, hein, par là. Mais où? Ah d'accord! Fallait attendre que le tonneau, putain. Qu'est-ce que c'est? Et en plus, c'est un comme ça. Elles sont pas emmerdées. Hein. Bon. J'ai géré de mieux en mieux. À force de les faire. Bon bah il n'y a plus qu'à finir le niveau maintenant. Là, je dis il n'y a plus qu'à finir le niveau. Ça va pas être si simple que ça. Vraiment pas simple. Et quoi? Comment ça, frère? Celui-là, un peu chiant. Hein. Vite! Oh là là. Ça va. Checkpoint. Et dans le trou direct. Ouais. Oh, tu me plaques, toi. Comment je me fais enfler, là? Oh là là, je veux le finir trop vite là. Oh. Je l'avais trop bien passé là. C'est un petit peu dégueulasse. Quand même.
Ah, 100%, c'est bon. Putain. On en chie bien quand même. On en chie bien proprement, bien comme il faut. Périple périlleux après. Putain. Ça mérite bien une petite clope, quand même. À 100%, c'est assez long, hein, quand même. Ah, je me rappelle le niveau avec les trancheuses de pastèques là. Ça va être chaud. Juste voir à combien on est vite fait de pourcentage. Au 5-2, 76 vies. En 6 lives, 10% par live. Et normalement, il y a une septième map quand on a tout, quand on a toutes les pièces de temple, justement. Si je me rappelle bien. Et c'est une map, c'est que des niveaux de temple. C'est-à-dire c'est que du one shot, quoi. Si mes souvenirs sont bons. Et après c'est la glace. On n'a pas trop eu de lave, hein. On a eu un petit peu là-dedans. Mais la pire map c'est celle-là, quoi. C'est un truc de ouf. C'est bien, tu débloques toutes les musiques du jeu quand tu finis tout à 100% aussi. Hein. Ça, c'est top, ça. On n'a que 4 ici.
Je pensais qu'il y en avait plus. Il y en a 4 par niveau en fait, simplement. Ni plus ni moins. Allez. Zébardi. Périple périlleux. J'ai eu assez... Il y en a combien ici? 5? Ok, ah oui! J'avais dit qu'il y aurait d'autres niveaux comme ça. Je l'avais dit. Ça, je l'avais dit. Ah, il y avait le K en dessous. Pire, les pires, les pires, les pipis, pire. J'ai déjà eu deux, hein, quand même. Mais ces niveaux-là, ils sont... Ils sont juste énormes. Reste en bas. Il y a le cas. On le voit de loin en plus. Il faut vraiment avoir la vision. En observant, là c'est clair qu'il y a des bananes que j'aurais dû avoir. Hein, l'acte. Ah non. Deux pièces de puzzle, ok. Pip, 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 pip. Bien regardé. Hein. C'est vraiment de la saloperie. Mais attendez. Attention aux lettres. Hop là. La vie, on s'en fout. Hein. On a ce qu'il faut.
C'est vraiment des phases de fou. Le robot de merde là. Ah j'ai oublié ça. Ah merde la lettre elle est là. C'est chaud là hein. Il faut appuyer avec parcimonie sur le bouton. Il y a un cœur là-bas là. Je l'aurais pas si. Je l'ai eu mais waouh. Alors là et en dessous maintenant. Ok. Merde, la lettre. C'est bon. Par contre, il nous manque. Quoi? Il est où le N? C'est une blague. Chier. Attends. Il manque deux pièces de puzzle, ça d'accord, mais le N, merde. Non, c'est lourd là. C'est lourd dingue. Bien les pipi pipi. Alors le N, je ne sais pas où j'ai loupé quoi, par contre. Ça c'est bizarre. J'ai pas vu. Oh non, comment? Pardon? Ah oui. On peut mourir. Eh oui. Thank you.
Eh putain, j'ai encore loupé sa race de mort. On se tue. J'ai encore loupé. Et puis, ah oui, le cœur supplémentaire ne marche pas ici. Ils le disent, ils le barrent. D'accord. Okay. Ah, par contre, j'aurais pu prendre le bouclier. Ah oui. J'aurais pu prendre le bouclier pour les véhicules, c'est fait pour. Merde. Ah là là. Je me suis trop baissé dans le truc. Là, être un peu plus concentré là. La vraie saloperie, ça. C'est ici que ça se passe. Allez, on prend tout, vite. On l'a eu, yes. Ah mais je l'ai eu. M'en fous. Je l'ai eu quoi, bien. Attends, c'est bon. Oula, 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 je me rapprochais un petit peu trop là. C'est tout le temps d'axe, ça, quand même. Besoin de se soucier. Save. Ah, oh, j'ai pas eu la save. Oh, vache. Ah la vache. Toujours bien de suivre les trajets de banane, les projecteurs de banane. Plus souvent, ça amène à des spots safe. Donc, beaucoup plus safe. Voilà. Ok, par contre maintenant le N, faut que j'ouvre les yeux hein, parce que oh, le N je vois plus, j'ai pas vu. Le O, d'accord. No problème. Ok. Mais le N, pas vu, hein. Je suis bigleux, je suis Miro, je sais pas. C'est pas trop là. Mais j'ai pas vu. Hein.
Il était là, le N. Ok, tu m'étonnes que je l'ai pas vu. Tout est fait pour que tu vois pas ce qu'il faut, quoi. C'est... Tu te fais éclater, quoi. Tout simplement. Ok, ça va. En plus, ils l'ont mis en hauteur, ces salauds. C'est dégueulasse, quand même. Il est juste là, on le voit, là. Au début, j'avais pas vu. Concentré sur les pièges. C'est logique. What? Le G est là. Pas de problème. Alors, elle est où la dernière lettre là? Aïe. Peut-être j'ai pas vu hein, quand il a hurlé l'oiseau là. Ah si, elle est là forcément. Voilà, il s'excite. Allez, regarde. Il s'excite le pépère. Ah, il nous dit que c'est là. Il dit clairement que c'est là. Attends. Ah, il aurait peut-être fallu Dixie. Allez là-dedans. Ah là là. Oh, joli. Ah, c'est ça. Allez, t'es juste à la fin. Ah, ça, j'aime pas ça. En général, t'as quasiment jamais assez de temps pour ça. On va tout faire pour quand même. Le stress. J'aurais pas. Ah merde. Et on ne peut pas mourir en plus hein. Ça c'est vraiment dommage. Merde. À deux bananes quoi. Putain. Il faut le refinir. Il n'y a pas le choix, faut le refinir. Il est à la fin, donc faut le finir. Et t'as droit à aucun autre personnage en plus. Ah. C'est les salopes. Et des salopios. Donc faut le refaire. Il faut le refaire. C'est nécessaire. Putain, je croyais que... Ah, je crois que j'aurais pu rester en hauteur. J'ai cru alors que c'était cuit. Je me rappelle ce niveau-là, la première fois que je l'ai fait, je voyais rien. Quasiment rien. Je comprenais pas le robot, là.
Bim! Putain, il y a eu des vies perdues aujourd'hui. On est qu'au deuxième niveau de la map 5. Hein. C'est bien, c'est bien. C'est normal. C'est joli. C'est joli ce que j'ai fait. Il n'y a pas le choix. On peut y aller que tout seul. Hein. Hop là, boum. Ok. Putain, bon. Je suis obligé de refaire le niveau, quoi. Je peux pas m'auto-suicider, bordel. On récupère tout ce qu'on a perdu, quoi. C'est pas bon. Il nous manque une pièce. C'est pas bon, c'est pas bon. Je vais essayer un truc vite fait. Je sais pas si on aura droit, je crois pas. Je crois pas une seconde. Je crois pas qu'on pourrait être à deux sur le tonneau jetpack. Je crois pas. Pipi, pipi, pipi. Acheter quelques figurines aussi. Quarante et une figurines. Ah, forcément en avoir qu'on n'a pas eu. On va essayer aussi de faire la collection de figurines. Carrément. Carrément.
Déjà, on ne doit pas être très loin de tout avoir vu tout ce qu'on prend. On va avoir beaucoup de doublons aussi. Énormément. Merde. Non, non, non. On va voir ce qu'on a eu dans les extras. Dans la famille Deka, il nous en manque deux. Ici, il nous en manque quand même pas mal. Hein, dans les boss. Hein. C'est les boss. Le plus chiant, mais on l'a eu one shot. Ah, c'est les givrés. Ça manque quand même pas mal. Et les gros givrés. Comme je disais, on va essayer de faire un truc. Mais j'y crois pas. Déjà le bouclier on peut le prendre, ça c'est sûr. C'est fait pour. Je crois pas qu'on va pouvoir monter à deux sur le tonneau jetpack là. Ah si! Excellent! Ah! Par contre, ça compte pas en point de vie. Non. On a baisé notre bouclier déjà d'entrée de jeu. Parfait. C'est génial. Directement, quoi. Avec Dixie, ça va être plus simple. Effectivement. Putain, j'ai regardé le chat, fais chier. Salut Fantomette, comment tu vas? Ah moi ça va impeccable, écoute. Je suis borné hein, pour une pièce de puzzle. Je suis un borné quoi. YOLO, salut Mr. Worms. Comment on va? Ça va bien? Bon bah c'est impeccable alors, si vous allez bien. Ah ouais, une journée de merde. Ah, ça arrive, hein, il y a des jours comme ça. Demain sera un autre jour. Chaque jour suffit sa peine. T'inquiète. Et salut l'ours. Mais j'ai eu un raid ou un host ou quoi là? Parce que j'ai rien entendu. Hein. Ça faisait au moins 2 heures que j'étais plus ou moins seul. Faudrait aussi que je les fasse et donc essayer. Oui. Bah les deux sont excellents. Alors on est sur Wii U, mais les deux sont excellents, je les ai faits.
J'ai fait l'épisode 3DS aussi. Et bah donc on le fait à 100%, celui-là, tranquille. Je l'ai fait à l'époque, hein, mais il y a 5-6 ans de ça. Ah bah, merci pour le host, Fantomètre. Bon, je me déconcentre pas trop. Je l'ai fini à un niveau là. C'est pour une pièce de puzzle. Pour le 100%, bah. Ça compte. J'ai perdu ma copine en tout ça. J'ai perdu ma copine. Host, du coup, ouais. Je viens d'arriver pour ma part. Paraît qu'ils sont faciles. Facile! Alors, déjà pour le finir, Tropical Freeze, c'est pas mal. Il y a quand même du challenge. Pour le faire à 100%, c'est quand même un gros challenge. Et normalement, tu peux le faire à 200%, mais le 200%, c'est du chrono. Donc, moi, je fais pas les chronos. Hein. J'avais fait un peu à l'époque, mais c'est pas intéressant. C'est galère, c'est pas fun. Mais sinon, 100%, c'est ça le challenge du jeu, quoi. Après, facile, je dirais pas facile quand même. Bon, là, on est à la cinquième map. Je dirais que la map la plus dure, c'est la map marine qu'on a fait juste avant, là. Galère un peu, quoi. Après, Donkey Kong Country Returns, il est un petit peu plus facile. Depuis hier, après plusieurs mois d'une idée en balade, dans le crâne, son apprentissage du code, formation passée. Ah, c'est bien. Faut faire ce que t'as à faire, gros. Ah, pardon, j'ai mal lu. Ouais, je commence à fatiguer les yeux, je suis désolé, hein, c'est moi. Ils sont pas si simples que ça, ouais. Après, pour quelqu'un qui l'a déjà fait, pour un joueur assez aguerri, je dis pas que je suis spécialement aguerri, mais quand même, on peut le dire. Ça se passe. Ah, excuse-moi, je joue à moitié flou. 3 heures que je suis en train de m'arracher la rétine sur. Voilà. Je sais que peut-être pour certains, 3 heures, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup. Ah, c'est cette pièce-là. Et je voulais la faire avec Dixie, parce que Dixie, elle vole. Mais... On va essayer de faire le café tout seul, hein. Vous êtes là, peut-être que je vais avoir plus de chance. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est les trucs les plus chiants, je trouve. Allez, mec! Allez, mec! Allez, mec! Ça, c'est parce que vous êtes là. Ça, c'est parce que vous êtes là. Je l'annonce dans 2 ans. Tu pourras tester mon futur jeu, Nono. Ah, bah, du coup, dans 2 ans, on en reparlera. On en reparlera. Merci pour ton follow, Fantomètre. Bon, bah, je pense que c'est grâce à vous, là. Ça faisait 2-3 fois que. Je pense que c'est parce que vous êtes là. Vous m'avez donné la force. Vous m'avez donné la force. Bon, bah, on se casse. Perfect. 100%. On a déjà eu les lettres, hein. On a déjà fait. Impeccable. Mais là, on est dans le dur, hein, quand même. On est dans le dur. Merci pour GG. On est dans le dur, là, quand même. Ah, des fois, je lis vite le chat et tout. Prends pas le temps de bien lire. Après, ouais. Enfin, je dirais pas facile, ouais, clairement. Surtout celui-là. Surtout celui-là. Il est bien fourbe, quand même. Donc, comme je disais, moi je fais toutes les lettres, toutes les pièces de puzzle, tous les niveaux cachés. Mais je fais pas les chronos. Les chronos, c'est où il y a marqué DK avec les pointillés derrière. C'est inutile. C'est inutile. Sauf si tu veux voir un beau 200% sur ta partie, quoi. Mais bon. Pas spécialement. Moi je finis les jeux et. Si ça me plaît, je l'ai fait à 100%. Après les chronos, même dans les Crash Bandicoot, je les fais pas. C'est pas terrible, quoi. Enfin, moi, je trouve pas ça fun du tout, quoi. Après, il y en a qui aiment. Hein. Salut Jay! Comment il va, l'ami Corse?
Ami Corsico, ami Corsica. T'as touché, je l'ai tué. Ah, c'est trois fois aussi. Par contre, ils sont géniaux, hein, Fantomètre, ils sont géniaux. Je les ai pas fait, c'est des pépites. Pour qui aime les jeux en 2D, hein, je sais que t'aimes ça. C'est juste une dinguerie, quoi. Il lâche pas une pièce de puzzle à un moment donné, hein. Il me semble, hein. Non. On verra ça après. Ah, j'ai fait le con. J'ai voulu... Ça va, on a 88 vies, quoi. Easy. Ah, mais c'est ça, quand tu fais un 100% aussi, tu ramasses tout, quoi. Donc, franchement, les vies au taquet, quoi. Honnêtement, je suis pas fan des 3 opus NES. Mais c'est clairement de bons jeux. Ouais, bah moi, j'ai les 3, moi, sur Super Famicom, bien sûr. Et le 1 restera mon préféré par nostalgie. Le 2 j'adore, le 3 un peu moins. Je les ai déjà finis tous les 3 à 100%, 101% et 102%, pardon. 101%, 102%, 103%. Alors moi j'aime beaucoup les Donkey. Enfin, c'est pas mes jeux préférés. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Je commence à faire le con. Ah, il est dur le 2. Il est très dur le 2. Très dur. Ah, il est dur le 2. Le 2 est dur. Ah oui. C'est le plus dur. Hein. C'est le plus dur. Pour moi, c'est le plus dur. Le 1, c'est Finger in the Nose. Hein. Même le 101%. Finger in the Nose. Le 3 est long et un peu plus compliqué. Plus compliqué le 3. Mais le 2, ouais, il est dur. C'est un peu comme celui-là, le 2. D'ailleurs, il y a beaucoup de références aux 2 dans celui-là. Et aux autres aussi. Je voulais niquer. Oh, c'est... Putain, il me foire tout ce que je veux faire. Tout ce que je veux faire, il me le foire. C'est une blague. En tout cas, cette map, elle est bourrée de pièges, quoi, c'est juste énorme. Ouais, le 64, je l'ai fait aussi, ouais. Je l'ai fait aussi à l'époque. J'ai bien aimé, d'ailleurs. Il est vraiment bien pour moi. Il y en a qui ne l'aiment pas à cause, de la caméra, hein, ce qui est typique de la 64. Hein. Tous les jeux de la 64, il n'y a pas photo. À part les jeux un peu en 2D, il n'y a pas de problème. Tous les jeux en 3D de la 64, problème de caméra, quoi. Mais franchement, moi j'ai réussi à m'y faire. Franchement, je l'ai fini à 100% aussi. Et j'ai vraiment kiffé. Il y a vraiment des bananes à récupérer qui sont vraiment excellentes. Alors moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Oh là là. Oh là là, oh mon nono, oh lolo, oh, 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 oh. Par contre, j'ai loupé une lettre. Et ça, ça fait pas le café, ça. Ouais. Eh oui, calmez-vous, on y va.
C'est pour ça que j'aime beaucoup Dixie dans ce jeu. Et je ne l'ai plus, mais bon. De toute façon, là, on est dans le dur. Hein. Vraiment, on est dans le dur. Ah! Je vais me prendre une claque. Oui. C'est pas grave. Ah, pas de problème. J'allais bien. Pas vraiment, on l'a eu. Allez. Ah, je t'ai pas eu, c'est une blague. Quoi? Ah, je crois que ça me l'a jamais fait, ça, même à l'époque. Je me suis jamais fait bouffer par un truc comme ça. Un truc. Merde. Ah oui, c'est vrai, il y a des... C'est pas la peine que je continue pour les lettres. C'est un petit peu foiré, là. Une pièce de puzzle. On est quasiment à la fin. Oh, ça va, calme. Oh là là, Nono, ça m'a surpris. Tu as fait le Oddworld? Alors j'ai fait le Oddworld Abe Odyssey sur PS1. À l'époque, hein, vraiment d'époque, c'est-à-dire quand c'était d'actualité encore. Quoi. J'avais bien aimé. C'est pas trop trop mon genre de jeu, mais j'avais bien aimé. C'était vraiment beaucoup révolutionnaire à l'époque, donc quand même. Je ne cracherai pas dessus. Ok, allez. Il y a de la pastèque. Pas de... Des potirons, je sais pas trop ce que c'est, en vrai. Il n'y a pas le temps. Mais on le fait quand même. Il n'y a pas le temps, je dis, mais on le fait quand même. Ah oui. Oh là. Il me manque énormément de pièces de puzzle. Et je fais n'importe quoi. Voilà. Je me rappelle plus. Bah, normal que je me rappelle plus à la fin des niveaux quand même. Vite. Allez, tranquille. J'avais pas vu ça, j'avais pas vu. J'avais pas vu cette tête. Qu'est-ce que c'est vicieux? Ah, il y a une pièce de puzzle. Tant pis. Je vais faire avec Tracer. C'est un jeu favori sur SNES. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'avais fait sur émulateur à 100%. Mais vu que je l'ai racheté sur Super Famicom, bah, il y a maintenant un moment, bah, je compte le faire sur la Super Famicom que j'ai. Oh. Et comme j'avais pas fait le boss rush à la fin, alors on le fera en japonais. Quoi.
Vu que je connais très bien, bah, ça ne posera pas de problème de le faire en japonais. Je connais vraiment très très bien. C'est un jeu du cœur, hein, c'est un jeu d'époque aussi. D'ailleurs, j'ai mis la Crystal Box à l'envers. Oh, le gros maniaque. Un gros maniaque. Ouais, en tout cas, ce sera plus rapide. Hein, parce que moi, je le fais sur la Super Famicom, donc ce sera en 60 Hz, quoi qu'il arrive. Donc, ça peut peut-être m'aider, justement. Je pense que ça a été mon problème pour le boss rush à la fin. Ça peut peut-être m'aider en 60 Hz, tu vois, au niveau déplacement. Toi. En 50 Hz, c'est pas pareil, quand même. Pour beaucoup de jeux. Pour ça que je préfère les jeux Super Famicom, c'est ce que j'ai le plus. Mais bon, je fais aussi du PAL, hein. Je fais aussi du Mega Drive. Mais pareil, ma Mega Drive, elle est switchée aussi, quoi. Ah ouais? Bah moi, je l'ai eu à l'époque, hein. D'époque, hein, en 93, 92, 93. Du coup, voilà, quoi. Puis, voilà. De toute façon, les jeux japonais, rien que les jaquettes, elles sont trop stylées, les prix sont beaucoup plus abordables, et le 60 Hz. Et puis, c'est les jeux d'origine, hein, tout part du Japon. Donc. Même s'il y a des incohérences sur certains jeux japonais, comme dans Street Fighter 2, là, pour les noms des 4 boss, Balrog, Vega, disons. Les japonais, ils sont un peu fifous, hein. C'est les meilleurs. En ce qui concerne tout ça, c'est des dingues. C'est des psychopathes instables. Donc on est pas mal quand même. Moi, je préfère de toute façon tout ce qui est japonais. Hein. Si je peux prendre du japonais, je prendrai du japonais. En jeu. Mais j'ai une grosse, grosse nostalgie sur le PAL, quoi. Sur le FAH, quoi. Donc j'en fais aussi. Super Nintendo. De toute façon, j'ai les deux. Hein. J'ai la Super Nintendo et la Super Famicom, quoi. Bah ouais. Non mais clairement. Clairement. Après, Famicom, je connais un peu moins. Parce que j'ai pas eu de Famicom. Mais en tout cas, Super Famicom, je connais très bien. Et puis, il y a des pépites que je fais découvrir de temps en temps. Ah, des trucs de ouf. Des jeux de plateforme de gueudin. Trucs de psycho. Sale truc. Lui-même, hein, c'est tout bon, quoi. Mais bon, comme je te dis, moi, je marche à la nostalgie beaucoup. Je fais aussi pas mal de pales. Mais que des jeux du cœur, pas tout et n'importe quoi. Là, en japonais, c'est des jeux du cœur, mais c'est des pépites. Déjà, tous les classiques de Nintendo, déjà. Les grands classiques. Super Metroid. Par exemple, Super Castlevania 4, je l'ai en PAL. Par exemple, je l'ai pris en PAL. Tu vois? Là, je l'ai pris en PAL, par exemple. Voilà, parce que en japonais, il vaut plus cher. Hein. Il vaut plus cher en japonais, clairement. J'étais pas sûr au début, mais si, si, en fait. Ici. Il est plus cher. Malheureusement. Ah, c'est des jeux comme ça, quoi. Des petites pépites. Pour moi, frère. Pour beaucoup aussi, hein, je suppose. Ok. Allez. Après, je vais t'avouer quelque chose. Je joue très rarement en 50 Hz. C'est plus pour la collection, tu vois. Parce que, si tu veux, voilà quoi. J'ai une Super Retropie, tu vois, j'ai une Mega Drive switchée, j'ai une Super Famicom, c'est pas pour rien. Quoi. Voilà. Donc je joue quasiment qu'en 60 Hz.
Je parle de rétro. Je parle de rétro en tout et pour tout. Après, quand il s'agit de PS1, PS2, tout ça, ça dépend des jeux. Ah, moi, je suis pas allergique aux 50 Hz. Je suis pas allergique aux 50 Hz. J'ai eu énormément de jeux à l'époque en PAL. Après, quand tu fais la différence entre du japonais et du PAL, aujourd'hui, je parle, quand tu rejoues à certains jeux, je suis d'accord que voilà. Le 60 Hz, tu peux pas t'en passer quoi, quand t'as commencé à connaître ça. Tu vois. Tu te dis, voilà. Tu rejoues à du 50 Hz, tu fais, oh, mais comment il est lent, comment il bouge. Ça, je comprends. Mais on peut pas dire que je suis allergique. Si j'ai pas le choix, question de prix, question de le trouver aussi, ça me dérangera pas. Exactement, exactement. C'est pour ça que je dis, on s'en rend compte aujourd'hui, quoi. Tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ça fait des années hein, pour ma part. Je dis aujourd'hui, de nos jours. Voilà. Mais oui, bien sûr, gamin, tu faisais pas la différence 50 Hz, 60 Hz. C'est comme Secret of Mana et Zelda 3, t'aurais jamais dit action RPG. On a dit aventure action. J'en ai parlé souvent des trucs comme ça. Et aujourd'hui les gens, non, c'est un action RPG. Bah ouais, mais moi à l'époque j'appelais ça action aventure, que aujourd'hui j'appelle ça action aventure. Même si c'est vrai. Mais voilà, à l'époque, il y a plein de différences qu'on faisait pas quand on était gamin, tu vois. Et aujourd'hui, il y a tout un foin et plein de choses comme ça, tu vois. Eh. Ça, hein, c'est la technique. Hein. Quand t'as 12-14 ans, t'es pas trop axé sur la technique. Hein. T'as un bon jeu, tu fais peut-être déchirer, voilà, tu joues. Quoi. Après, bon. Plein de choses comme ça. On va regarder à combien de pourcentage on est. Ouais. Bah moi Zelda 3 j'ai toujours dit action aventure, t'en es des actions RPG. Chacun dit ce qu'il veut, je laisse les gens dire moi. J'ai mon avis. Après voilà. Et ouais, Secret of Mana, on peut dire action RPG, mais moi je dirais pas RPG. Pour moi un RPG c'est genre Final Fantasy, c'est du tour par tour pour moi un RPG. Du tour par tour, tu vois. C'est du role-playing. Après, bien sûr, il y a des notions de RPG. Tu vois, voilà. Tu me dis FF, oui, je te dis RPG, quoi. Tout de suite. Tu me dis du Earthbound, oui, c'est RPG. Et tour par tour. Pour moi, le RPG, c'est du tour par tour. Après, c'est pas parce qu'il y a une notion de RPG que ça en fait un action RPG. Pour moi, c'est action aventure. T'es libre quand même dans Secret of Mana, tu vois. Bien sûr, t'as du level up et tout ça, je comprends. Hein, je comprends. Tu vois, mais combien de fois j'en ai parlé des trucs comme ça, bon après. T'as vu, encore pire. Encore pire. Encore pire. Sacrilège. Il n'y a aucune notion de RPG hein, dans Zelda 3. Hein. Encore dans Secret of Mana, bon bah t'as un peu de level up, tu vois. Ok. Ok, des magies. Ok. Bon. Après, faut pas déconner, quoi. Quand on me dit... j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, de Zelda 3, justement, parce que c'est mon Zelda préféré, c'est un de mes jeux préférés sur Super Nintendo. Et, ouais, Zelda 3. Je suis pas trop RPG, moi, je dis, tu vois. J'ai dit ça aux personnes concernées. Elle me dit, moi, je suis plus Zelda, Secret of Mana, tout ça, je dis ça. Legend of Time, tout ça. Il me dit, bah t'aimes les RPG alors? Bah Zelda 3, action RPG. Je fais, ok. Je fais, ok. Ok. Là, moi, je contredis plus. Hein. J'ai trop contredit. C'est un peu des amalgames de fous. Je contredis plus, moi. Je garde mes idées. Quoi? Je garde mes idées. Je garde mon avis, quoi qu'il arrive. Bah, si j'ai tort, j'ai tort. Je pense pas avoir spécialement tort, quoi. 65% quand même. C'est pas mal, c'est pas mal.
Ah bah les petits amis, vous êtes arrivés presque à la fin du live hein, quand vous êtes arrivés. Je suis resté un petit peu plus longtemps pour vous. Je vais avoir des petits trucs à faire. Donc... C'est comme le débat beat'em up, beat'em up. Bah moi je dis beat'em up par exemple. J'ai toujours dit beat'em up quoi. Ou pain. Oh, ou pain au chocolat, chocolat. Je dis pain au chocolat. Ah c'est sans fin. Il y a énormément de choses comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Énormément de choses comme ça. Alors là, je suis complètement d'accord. C'est clair. Ou Game Gear, Game Gear. Game Gear, Game Gear. Comme ça, quoi. Moi, je dis Game Gear. Hein. J'ai toujours dit Game Gear. Ils disent Game Gear. Quand ils disent un Game Boy, moi, je dis une Game Boy. Hein. Bon, ouais. Les petites choses, hein. Les petits trucs. C'est peut-être le vieux con en moi qui parle. Ah, là, tu me charries. Zelda, aventure, beat'em up, yeah! quelque part, si on veut aller loin dans le truc. C'est vrai qu'il avance, il tape avec son épée contre des mobs. On peut aller par là aussi. Hein. Ouais. Non, non, c'est marrant. C'est marrant. Mais après, voilà, moi je. J'allais dire, je respecte la vue de chacun, c'est même pas une question de respect, je dis je tolère la vue de chacun. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et... Voilà, chacun son avis, quoi, comme chacun ses goûts, tu vois. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Hein. Pas toujours été comme ça. En général, je défends beaucoup mes idées. Je les défends toujours, mais je veux dire. Si tu commences à aller loin dans les choses. Voilà, c'est ce que je me dis au final. Je me dis, enfin, on s'en fout. Ça dépend sur quoi. Mais si on commence à aller loin dans les choses, ça en finit plus, quoi. Des fois, ça me fatigue. Tu vois, voilà le débat, voilà le sujet, faut argumenter et tout. C'est bon, quoi. Donc, au final, chacun ses idées, chacun ses goûts. Et puis c'était bien comme ça. Faut de tout. Hein. Faut de tout pour faire un monde. Hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, je vais me faire une petite cigarette avec vous, et puis... Je vais m'arrêter doucement parce que je vais avoir deux trois petits trucs à faire. Ouais, même à cette heure-là. C'est souvent. Des fois, j'aimerais bien rester beaucoup plus longtemps hein, en live et tout. Mais bon, déjà 3h30, pour moi, c'est beaucoup. De toute façon, je tourne entre 3 et 4 heures, moi. Que ce soit le matin ou l'après-midi quand j'ai le temps. Sinon, si je fais une soirée rétro, aucune heure. 20h, 5h du mat, pas un problème. Mais c'est rare, très très rare. C'est très très rare. Ah ça va, on a bien avancé hein, le Donkey quand même. Ah tu le connaissais pas du tout toi, Fantomètre, le Donkey du coup. Celui-là. Ah salut Venom. Bah t'arrives sur la fin l'ami. Si désolé. Ah ouais. Bon, de toute façon t'es pas pressé. Hein. Ah tu vas kiffer, hein, franchement, tu vas kiffer. Ouais, t'arrives sur la fin, mon petit Venom. Ah j'étais là quasiment toute l'après-midi, hein. Mais non, ne sois pas désolé, je dis ça pour toi, c'est moi qui suis désolé. Justement, c'est moi qui vais devoir couper. Comme je parlais à l'instant, j'aimerais bien rester plus longtemps des fois. Parce que j'ai remarqué que les gens, bon bah, ils disent, ah bah voilà. C'est normal, hein, c'est tout à fait normal. T'inquiète. Non, non, mais justement, ce que je dis. Non, bah. J'espère que tu vas bien. Ouais, RTT pour venir voir Nono. Eh ben,
Tu vois pas, toi? Tu vois pas le délire. Ah là là. Oui. Là, comme je disais, je vais fumer une petite cigarette avec vous, histoire de finir tranquillement. Et après, on va s'en rester là, quoi. D'habitude, je passe un coup de vent sur mon téléphone. J'ai pas été avoir un notif, voilà, je sais pas. Non, mais t'inquiète, y a pas de soucis. Mais ça va, tu passes, hein, quand même. Moi, tu sais, moi, je suis un passionné. Quand j'ai envie de jouer, je joue. S'il y a du monde, c'est nickel. S'il n'y a pas de monde, t'as même moi je parle au jeu, moi je parle tout seul. Moi, je fais des monologues et tout, tiens. Truc de ouf. Et dans mon truc, moi, t'sais. Bah écoute, c'est cool, hein. Bah, on essaye, bah on reste. On reste soi-même. C'est comme à la maison ici, il n'y a pas de. Il n'y a pas de superflu, hein. Tout le monde au même niveau. Après, quand on commence à se connaître, eh ben, évidemment, il y a des affinités, évident. On essaye, hein. On est là pour ça. Hein. On est là pour jouer, partager, interagir. Sinon, tu joues en off, quoi. Tu joues solo, quoi. Ah, j'ai putain de bien avancé, ouais. Ah, j'ai un peu galéré quand même, je vais pas le cacher. Surtout dans la map marine, dans la map de l'eau là. Bon. Moi les niveaux d'eau, ça fait deux. C'est juste un truc de ouf. Mais bon là on est dans le dur, hein. On arrive vraiment dans le dur là. Ouais, il est pas simple. Moi je suis venu par hasard, car je t'ai eu. Dans les recommandations, et comme tu passes chez moi de temps en temps. Ouais, bah ouais. Bah c'est cool, hein. C'est cool, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Très très peu de stream. Bah moi, je regarde peu de stream aussi. Je suis bon spectateur, je suis bon viewer, mais je suis un gamer à la base. Moi aussi. Quand j'ai le temps, je suis plus à jouer qu'à regarder. Mais j'aime bien me poser de temps en temps devant un live, tu vois. Surtout quand c'est du rétro, bah de toute façon, quasiment que du rétro que je regarde. De toute façon, je regarde pas autre chose. À part si c'est des gens que j'aime bien, je viens pour la personne pour saluer, tu vois. Même s'il fait du Warcraft ou du machin comme ça, des trucs que je ferai jamais et que j'aime pas. Ça n'empêche pas de passer voir la personne si je m'entends bien avec, quoi. Ah ouais, tu stream toi, Venom? Je t'avais jamais demandé, tiens. Ah moi aussi, je préfère. Je suis plutôt quelqu'un. Quelqu'un qui préfère faire aussi, je suis un homme d'action. Non, mais non, mais voilà, c'est quand j'ai le temps. Déjà, j'ai pas énormément de temps pour live, pour stream. Quand j'ai beaucoup de temps, ben, quand j'ai plus ou moins de temps, on va dire, je préfère streamer, bien sûr. Je préfère jouer. Évidemment, évidemment. Mais j'aime bien me poser dans les lives de temps en temps. Il y a des jours où. Ça dépend. Et tu vas streamer quoi, Venom? J'ai commencé The Forest, mais chaud. Je connais pas. Enfin, je connais de nom. Hein. À plus, Mr. Worms. Merci d'être passé. Moi, je fais principalement du rétro, donc. Et quand je fais de la PS4, c'est souvent des remasters ou des remakes d'anciens jeux rétro, justement. Ou alors des jeux indépendants. Genre The Messenger, Shovel Knight, Evoland. Des pépites. Des pépites. Et j'en passe, hein, il y en a d'autres. Sinon, je veux faire un truc à la cool, genre sur la Mega Drive Collection. Ah ouais? Mais sinon, voilà quoi, j'ai une quinzaine de consoles, mais principalement du rétro. Et quand je fais des soirées, ben on sort la Super Rétropie.
Ça. 56 supports rétro, 45 000 jeux. Des premiers PC à la PS1. C'est parfait. Ça fait le job. Il y en a, je joue jamais. Hein. Il y en a, elles prennent la poussière. Hein. Genre la PS3, j'ai pas allumé depuis 2 ans. Elle est là, là. Elle prend la poussière. Je les nettoie parce que je prends soin de mes choses. Mais voilà quoi. Elle prend la poussière quoi. Même la PS4, c'est pour te dire. Elle est à côté de la PS3. Franchement, les deux, elles sont à côté là. Non, il y a que la Super NES qui est sur le bureau et la Mega Drive 2. Et la Super Retro Pie et la Wii U en ce moment, puisque. Mais sinon. Ah, par contre, la Super Nintendo et la Mega Drive, hein, là, elles sont sur le bureau. Hein, mais celles-là, elles sont jamais enlevées du bureau. Hein. Ah, c'est ça que j'ai, c'est une Super Retro Pie que j'ai, moi. Attends, attends, Dexter. Attends. Je parle à mon chien, il a la dalle. Moi, c'est ça que j'ai, Fantomette. Quand je fais les soirées rétro, ça évite. Ça préserve les cartouches et les consoles, les branchements. Moi, j'ai pris le modèle Super NES, mais t'as d'autres modèles. Hein. T'as le modèle Mega Drive, Game Boy, NES. Moi, c'est parce que c'est ma console préférée, la Super Nintendo. Mais bon, ça coûte quand même la moitié d'un bras, quand même. Hein. Coûte 200 euros. Hein, parce que j'ai pris le max. Hein, j'ai pris le max. Bon, c'est tout petit. Hein. Ça fait. On va dire. La taille de la SNES divisée par 3, 4, par 4. Par 3. Bon, ça coûte quand même un bon petit bras, quand même. Ouais. Je dis à moitié d'un bras, ça coûte un petit bras. Quand même. Ça coûte un petit bras. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je suis prêt à foutre 100 à 200 euros. Ah ouais. Non, non, mais ça vaut le coup. Bah. Franchement, ça fait 2 ans que je l'ai. Franchement, toutes les manettes sont adaptables. Wi-Fi, Bluetooth, système Recalbox, donc système Retro Achievements. C'est là-dessus que je fais mes Retro Achievements. Les succès pour les jeux rétro. C'est automatique. Tu peux adapter toutes les manettes USB que tu veux. Sans aucun problème. T'as beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'options. Mise à jour. Non, ça fait le café. Hein. Une fois que tu l'as, avec ça, t'es peinard. Hein. Moi, j'aime bien jouer sur les consoles d'origine. C'est pour ça que, bon, je la sors qu'en soirée. Moi, je joue sur console d'origine et jeu d'origine, quoi. Je fais pas d'émulation PC, quoi. Je fais pas d'émulation, quoi. La seule émulation que je fais, c'est sur la Super Retro Pie. Ouais. En ce qui concerne tout ce qui est HDMI, c'est sur le boîtier de capture AverMedia que j'ai, moi. Le LGP Lite GL310. Et autrement, pour les consoles rétro, bah, je passe par un OSSC. Qui est relié au boîtier de capture, qui est relié au PC. T'es obligé par le RGB de façon d'avoir un OSSC pour les consoles rétro. Ouais, c'est le meilleur, hein. Moi j'ai eu un Elgato, c'est de la daube hein, pour moi. J'ai eu 3 fois l'AverMedia. Hein. Jamais il m'a lâché, il a toujours fait le café. Hein. Ça fait des années. Hein. Sinon, bah, OSSC hein, pour le RGB SCART. Évidemment. Moi, j'aime avoir l'objet et streamer l'objet. En tant que collectionneur passionné. Voilà quoi. Et puis, je vous propose au moins des choses d'époque. Ah, j'en ai 2 PS2 Slim, elles sont rangées. J'ai la Silver et la Black. Mais celle-là, je m'en sers pour streamer les jeux PS2 et PS1, en l'occurrence. C'est plus pratique, quand même. Mais bon, tout ça s'est pas fait en un jour. Hein. Bon, ça fait 6 ans que je stream en tout et pour tout. Je suis parti de rien du tout. Hein. 3 ans sur Home Station et 3 ans sur Twitch quoi. Ouais, la Xbox je l'ai pas mais par contre moi j'ai la 360 et je joue à mes jeux Xbox première du nom dessus. Quand je stream de la Xbox première du nom, elle est rétro-compatible avec la 360. Bah, comme je dis,
Je me considère même pas spécialement comme un collectionneur. Je dis collectionneur parce que j'ai beaucoup, quand même pas mal de choses, mais plus un passionné. Je collectionne pas tout et n'importe quoi. J'achète jamais de l'eau. J'achète ce que je joue, quoi. Je suis un gamer plutôt, quoi. Gamer passionné, quoi. J'achète que des trucs que j'ai pas eu ou que j'ai eu, que je me suis séparé, que j'ai revendu, troqué. Et puis bon, bah, d'autres choses aussi, hein, que je connais pas. Des trucs qu'on me propose aussi, des jeux qu'on me propose avec les points de chaîne, je les achète. Là, il y a des points de chaîne, là, quand on me propose un jeu, je l'achète le jeu, majorité du temps. Si justement tu es un vrai collectionneur, si tu achètes pas tout et n'importe quoi pour acheter à mon avis. Ouais. Non mais tu sais, je me considère pas, tu sais, voilà, tu sais, je veux dire, je me considère pas comme un collectionneur. Enfin, je dis collectionneur parce que voilà. Oui, c'est vrai que je collectionne quand même bah, certaines pièces, quoi. Je les ai fait les deux en live. Metal Gear Solid 1 sur PS1, réel. Heart of Darkness aussi, réel. Dans la collecte des pépites, ça c'est les pépites de la PS1 par exemple que j'avais eu à l'époque. C'est des bons jeux, très bons jeux. Voilà. Bon, bah, on a papoté un petit peu pour finir le live, c'est cool. En tout cas, merci à vous d'être passé. Hein. J'espère que ça vous a plu. Et on va faire un petit raid à quelqu'un quand même pour le soutien. Bon, on n'est pas, voilà, on n'est pas beaucoup, mais bon, ça fait toujours plaisir. Le petit soutien des familles. Ça fait toujours plaisir. Plaisir. Putain, j'avais pas coupé mon retour. C'est rare ça. Plaisir, plaisir. C'est Bon, rare ça. on m'entend deux fois. Plaisir, plaisir. Ah merci, bah, bonne soirée à vous tous et toutes aussi. Hein. Qui c'est qu'on va raid? On va raid. On va raid, on va raid, on va raid. On va raid mes grouses. Voilà. Ouais. Le 38 est gratte. T'es méchant, hein. Migrouze, allez, ça lui fera plaisir, je pense. Il y a du monde, hein, mais bon. Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt. Tchuss, et on lance le raid. Que je gagne sur ma chaîne, bah voilà, je l'utilise pour.